Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être en grand nombre pour cette soirée réflexion. Le Centre de recherche en éthique donc de l'Université de Montréal a organisé depuis un certain nombre de rencontres ce genre d'événement afin de faire en sorte que la recherche soit en dehors des tour d'ivoire, si j'ose dire, mais je peux vous confier que ça n'a rien à voir avec de l'ivoire. Tour peut-être, mais de l'ivoire non. Donc ce genre d'activité afin de faire en sorte que la recherche, mais aussi les discussions publiques, soient présentes dans l'espace à l'extérieur de l'université. Et ça nous permet de faire un peu une passerelle aussi entre à la fois le monde universitaire et différents milieux, notamment des milieux militants, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors pour ce soir, en fait, l'idée était de réfléchir ensemble sur cette question d'un revenu minimum garanti. Vous n'êtes pas sans savoir donc que le Premier ministre, le ministre de l'Emploi, François Blais, et le ministre des Finances, Carlos Netero, ont mis sur place un comité d'experts pour faire des recommandations sur l'installation de tel programme. Alors, je vais laisser à mes invités la fonction de définir ce qu'est le revenu minimum garanti. Vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent être associés à ce principe. Et en fait, la question de base, tout simplement, qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que d'emblée, nous devrions considérer qu'un tel principe va de soi? C'est-à-dire que est-ce que nous devrions considérer que c'est une mesure de justice sociale d'emblée? Est-ce que nous pourrions dire que, quand on observe une telle question, très souvent, le genre de remarque qu'on va entendre, c'est « peut-on être contre la vertu ?» C'est-à-dire, comment pourrait-on être contre l'idée que chacun reçoive un minimum de revenus? Et en fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Le diable est dans les détails. Et ce soir, j'ai invité plusieurs diables, donc, à discuter de ces détails. D'abord... Sylvia Bissonnette, qui est du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec, qui est intervenue à plusieurs reprises sur ces questions, que pour ma part j'ai eu l'occasion d'entendre lors d'un atelier de discussion à la Ligue des droits et libertés, où je l'ai trouvé excellente et j'ai tenu donc à ce que nous puissions l'entendre ensemble. Au même moment, je faisais aussi la rencontre de Marie-Pierre Boucher, professeure au département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Marie-Pierre a écrit de nombreux articles sur la question du travail. Elle a écrit aussi un livre, La propriété et ses multiples, Société Québec chez Nota Bene, c'est en 2011. Aussi Sex Inc. À Poète de Brousse en 2010. Enfin, Yannick Marcil, économiste indépendant, qui travaille sur des questions d'innovation technologique, sur la transformation sociale, sur des questions de justice économique, qui a beaucoup intervenu aussi sur des questions liées à l'art et la culture. Il est chroniqueur à plusieurs endroits, notamment à l'Itinéraire, également à la radio, par exemple il a une chronique régulière à CIBL, et il est l'auteur enfin d'un livre, Le passager clandestin, métaphore et trompe-l'œil dans l'économie, chez Somme Toute. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais laisser à chaque personne 10 minutes pour intervenir et lancer quelques idées principales sur la question du revenu minimum. Ensuite, je vais ouvrir l'échange entre donc, nos invités. Et ensuite, je vais vous demander d'intervenir. La seule chose qu'on vous demande au moment de vos interventions, c'est de vous présenter au micro. Tout est filmé. Mais si vous ne voulez pas être filmé, mais voulez intervenir, il n'y a absolument aucun problème. La seule chose qu'on vous demande, c'est de venir au micro pour que nous puissions au moins avoir la voix, c'est-à-dire pour que nous puissions avoir l'enregistrement. Mais si vous ne voulez pas être filmé, il n'y a absolument aucun problème. D'accord? Ça vous convient comme fonctionnement? Parfait. Alors, on va commencer donc par Sylvia. Non, c'est toi, pardon, c'est vrai, tu as raison. Heureusement qu'on me rappelle alors. Je posais ta conclusion. C'est vrai. J'ai un regard beaucoup moins enchanté que Sylvia sur le revenu minimum garanti. Je vous propose une réflexion en trois temps. J'ai le plaisir de vous définir cette idée, cette mesure. Ensuite, je vais regarder depuis combien de temps on en discute au Québec, au Canada. Et pour finir par un regard très désenchanté sur la proposition.
Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur ce sujet, donc ça fait 20 ans que je la mijote, et c'est pour ça que je suis tellement désenchantée, parce que à l'origine, j'étais plutôt enthousiaste à l'idée, j'avais l'impression que ça allait me permettre de pouvoir vivre sans travailler pour pouvoir faire autre chose, telle que lire des livres et boire de l'eau fraîche. Donc, l'idée de revenu minimum garanti, c'est l'idée de donner inconditionnellement à tous les membres d'une communauté politique un revenu de base, là, sous la forme de l'argent. C'est un revenu qui est cumulable, c'est un revenu qui est universel, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde. Qui ne tient pas compte du ménage, de la situation de la personne, si elle est en couple ou etc. Donc, qui s'adresse vraiment à chaque personne et qui est cumulable et inconditionnel. Donc, il n'y a pas de contrepartie, pas d'obligation de travail. C'est aussi peu importe le revenu dont vous jouissez déjà ou que vous travaillez ou pas. Donc, voici pour l'idée. Je voudrais vous interpeller au long de ces 10 minutes-là sur l'enjeu de la liberté sur lequel apporter ma réflexion essentiellement. Quelle conception de la liberté on a quand on prétend, par exemple, que justement donner un revenu rend les gens plus libres? Donc, quelle conception de la liberté porte l'idée qu'on serait plus libre si on pouvait jouir d'un revenu garanti? J'en suis déjà à la deuxième partie où je vous présente. Je vous signale, en fait, que l'apogée du système de protection sociale canadien est atteint en 1971, au moment où on bonifie d'une manière extraordinaire le régime d'assurance chômage, et que 2 ans auparavant, on avait implanté la dernière mesure qui complétait ce système en établissant l'aide sociale au Québec. Donc, dès 1969, au Québec et au Canada, il y a une panoplie de rapports qui sont publiés. Il y en a 7 au Canada, il y en a 4 au Québec, qui proposent déjà de combler les trous, de rénover, d'améliorer, de rendre plus efficace le système de protection sociale. Et donc, c'est une réflexion qui se poursuit pendant une dizaine d'années. Vous savez, les conflits entre les provinces, mais surtout le contexte économique qui change à la fin de la décennie des années 70 font en sorte qu'on abandonne finalement cette grande réflexion sur le revenu minimum garanti. Elle revient quand même périodiquement, vous le savez, vous vous en doutez sans doute. Elle revient en 84 dans un livre blanc québécois. Elle revient en 1985 quand la commission McDonald, qui a été chargée de repenser l'économie politique du Canada au moment de l'ouverture des frontières, la signature de l'accord du libre-échange avec les États-Unis, en fait un pivot de l'adaptation, si vous voulez, de la protection sociale à cette nouvelle réalité. Puis arrivent les années 90-2000 où là, on a beaucoup de... Il y a une diffusion plus largement dans les cercles intellectuels avec la publication, par exemple, du livre de Michel Chartrand qu'il a écrit avec Michel Bernard, de François Blais, de Charles Sirois, penseur de la DQ qui va le mettre à son programme. Et bon, donc... On se saisit dans le milieu intellectuel de cette idée, puis de 5 ans en 5 ans, elle ressurgit, elle repop, puis aujourd'hui, elle est de nouveau à l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ressurgit comme si elle n'était pas... comme si elle n'existait pas, alors que dès 1967, on commence à fiscaliser les politiques sociales. Alors, voici mon point. L'allocation universelle, le revenu minimum garanti, appelez-le comme vous voulez, est une mesure intégrée à la fiscalité. C'est-à-dire que ce revenu qu'on vous garantit, on récupère une partie de celui-ci pour le financement d'ensemble de la mesure par le système de fiscalité, c'est-à-dire qu'on choisit le montant minimum, puis le taux de taxation qui va s'appliquer, puis à partir de quel moment, puis à quelle vitesse on va récupérer les montants excédents. Donc, c'est une fiscalisation
du revenu garanti. Et donc, ce que je vous dis, c'est que depuis 1967, on a commencé à fiscaliser la protection sociale quand on a implanté le supplément de revenu garanti pour les personnes âgées, pour les revenus. Aujourd'hui, au Québec, au Canada, toutes les mesures de la protection sociale sont fiscalisées. Donc, si je peux me permettre, on a largement diffusé l'esprit du revenu minimum garanti, sauf à l'aide sociale. Et du coup, c'est sur ça que je vais terminer en vous disant, ben, il y aurait des avantages relativement à l'aide sociale à implanter le revenu minimum garanti parce que, par exemple, il permettrait de cumuler aux revenus de l'aide sociale plus facilement les revenus d'emploi. Donc, il maintiendrait l'incitation au travail. Mais ça existe déjà, c'est-à-dire que les personnes à cité sociale peuvent gagner un certain montant avant qu'ils soient imposés à 100% du dollar qu'ils font. Ils ont le droit, par exemple, s'ils sont une personne seule, de gagner 200$, mais s'ils font 201$, il y a une pièce qui est coupée sur leur chèque. Mais au moment où ils arrivent à se 823$ par mois qu'ils sont autorisés de conserver, ben il y a un remplacement. On a un programme provincial fédéral qui s'appelle, bon, qui ont chacun leur nom, là, la prime au travail, qui vient d'une manière fiscale autoriser de garder des montants supplémentaires qui sont gagnés quand on travaille. Puis il y a une autre mesure qui a été ajoutée là, pour aider les personnes à sortir de l'aide sociale. Donc, d'une certaine manière, l'avantage qu'aurait le revenu minimum garanti par rapport à l'aide de dernier recours est déjà en place. Après, on parle de chiffres absolument minimes. On parle d'un taux de récupération fiscale qui est extrêmement élevé, ce qui fait qu'on peut garder 9$ sur 100$ gagnés quand on bénéficie de la prime au travail, par exemple. Donc, c'est très insignifiant, mais c'est justement là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il me semble que les discussions qu'on a en ce moment dans les instances politiques, dans les coulisses, dans les comités qui ont été mis sur place en Ontario, probablement au gouvernement fédéral aussi, et au Québec, en tout cas, depuis toutes ces années qu'on en parle, il me semble qu'on propose toujours de faire cette réforme à coup nul, c'est-à-dire en rebrassant l'argent entre les bénéficiaires déjà existants. Et du coup, on parle de sommes relativement modestes, surtout pour corriger des effets pervers de la fiscalité, et en particulier des taux marginaux d'imposition, qui, dans certaines braquettes de revenus relativement faibles, peuvent atteindre 90%. Donc, ça serait l'idée de dire, est-ce qu'on pourrait pas s'arranger pour que les taux marginaux d'imposition, ce qui veut dire quand tu gagnes une pièce de plus, combien tu peux en garder dans tes poches, s'arranger pour que ça soit plus équitable, cet avantage d'aller chercher un revenu supplémentaire sur le marché du travail. Il reste combien de temps? Ah, j'ai encore du temps. Donc, il me semble que ce dont on parle, effectivement, c'est de brasser des montants relativement insignifiants, surtout pour corriger cet effet pervers des taux marginaux d'imposition. Et donc, on reste avec les très, très grands objectifs de combler certaines lacunes du système de protection sociale, maintenir très fortement l'incitation en emploi, parce que dans une formule de revenu minimum garanti, l'idée, c'est que l'emploi est toujours payant, c'est-à-dire qu'il s'ajoute toujours au revenu garanti, bien que, comme vous voyez, ça dépend aussi du taux de récupération qui est imposé aux revenus supplémentaires. Je vais vous dire que quand même, j'ai un peu de doute, je reviens sur l'aide sociale, que le comité qui l'étudie actuellement vise
le programme d'aide de dernier recours parce qu'on vient d'implanter le projet, on vient d'adopter le projet de loi 70, vous savez, cette espèce de truc immonde qui contraint les nouveaux demandeurs d'aide de dernier recours à s'inscrire dans des programmes d'insertion sociale. Et du coup, s'ils ne le font pas, vous savez, les pénalités peuvent être considérables alors qu'ils sont déjà très malmenés par ce revenu garanti. Et du coup, il me semble pas que les réflexions portent sur effectivement cette zone de la protection sociale qui n'est pas encore touchée par la fiscalité. Hein. Le dernier programme qui reste à mettre à l'esprit du revenu minimum garanti. Pour conclure, je voulais vous dire que il y a quand même dans cette idée qui fait rêver, parce que je ne vais pas lui enlever cette possibilité qu'elle puisse faire rêver. On a toute la perspective de repenser le travail, de partager le travail, de diminuer les heures de travail parce qu'on jouirait d'un revenu minimum garanti. Mais vous voyez bien qu'on ne parle quand même pas d'un effet massif étant donné qu'on parle de changer des 23 piastres par-ci, par-là. Mais toujours est-il que cette idée de partager le travail, elle est intéressante, cette idée, parce que quel que soit le bord d'où on le prend, c'est-à-dire à gauche ou à droite, on se demande est-ce que ça va permettre de financer des activités qui sont faiblement rentables, les rendre supportables? Est-ce que ça va donner un pouvoir de négociation aux travailleurs, travailleuses, comme peut le faire, par exemple, l'assurance chômage, c'est-à-dire ça permet d'avoir une petite marge de manœuvre supplémentaire pour accepter un emploi qu'on voudrait davantage qu'un emploi qu'on n'a pas le choix d'accepter parce que le chèque ne rentre plus. Est-ce que ça permet de financer les activités autonomes, créatrices, intellectuelles, les activités domestiques, les activités aux proches aidants? Puis là, il y a toute la question de la perspective féministe qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'il s'agit de soutenir le revenu des personnes qui s'occupent de dépendants à la maison? Mais auquel cas, puisqu'on sait que c'est surtout les femmes qui font ce genre de tâches, auquel cas est-ce qu'on est en train de confirmer l'enfermement des femmes dans ce rôle-là? Et bonne nouvelle quand même relativement à toute donc cette perspective féministe sur le revenu garanti, le soutien aux activités aux proches. Je me disais qu'on ne pouvait pas, par exemple, pour la question des proches aidants, ne pas aller dans le sens d'une mesure plutôt assurantielle comme l'assurance chômage. J'ai été quand même contente de lire le budget, mais je ne l'ai pas lu, mais de prendre connaissance des éléments du budget d'hier qui vont exactement dans ce sens-là là, et qui arriment une portion du programme d'assurance-emploi à la possibilité de prendre du temps pour s'occuper des aidants naturels. Donc, pour terminer sur la liberté, on aurait cette idée que l'argent donne un pouvoir de négociation, de retrait des personnes par rapport au marché du travail, que l'argent permet de faire des choix, d'exprimer ses préférences, donc une conception qu'on pourrait dire négative de la liberté. Hein. L'argent nous donne automatiquement le pouvoir d'être plus libre, ou une conception plus substantielle de la liberté, qui est par exemple celle de « Hey, attendez, là, il faut continuer à articuler l'idée de protection et de sécurité du revenu avec la dignité, la citoyenneté. C'est dans une société marchande comme la nôtre, il faut assurer inconditionnellement un revenu minimum garanti pour que les gens puissent exercer minimalement leurs autres droits. » Donc, une conception ici plus politique de la liberté, mais vous voyez bien aussi avec
la posture féministe, par exemple, que la liberté ne peut pas aller sans une réflexion sur la l'égalité, une égalité située qui tient compte de la diversité des situations et qui, donc, admet une plus grande complexité que le seul pouvoir que l'argent pourrait donner aux individus pour qu'ils expriment leurs préférences. Merci beaucoup. Donc, j'ai immédiatement cédé la parole à Yannick Percy. Merci. Comme Marie-Pierre vient de l'exposer, il y a deux éléments qui sont un peu étonnants dans cette proposition-là. D'abord, c'est qu'on la présente comme quelque chose, comme Marie-Pierre l'a dit, comme quelque chose de nouveau. Hein, c'est comme la saveur du jour, c'est le buzzword du jour. Alors que, comme elle vient de le dire, ça ne date pas d'hier, non seulement dans la réflexion intellectuelle et notamment académique, mais aussi même dans la discussion politique. Et d'autre part, vous l'aurez déjà compris, malgré qu'on est au tout début de la discussion, qu'on n'a pas le choix de tomber rapidement sur des considérations très concrètes, parfois techniques et parfois malheureusement un peu absconses. Je voudrais, dans les petites minutes qui me sont octroyées, proposer d'être trois mises en garde, en fait. Trois mises en garde par rapport à cette proposition dans l'espace public, dans les programmes politiques, sur les causes qu'on invoque, c'est-à-dire pourquoi ça revient à la mode, c'est que là, on se dit que maintenant, le monde a changé, qu'on a besoin absolument du revenu minimum garanti, peu importe l'étiquette qu'on lui donne, mais c'est pas peu importe, ça sera très important, comme on le verra plus tard. Deuxièmement, sur le vocabulaire qu'on utilise. Et troisième mise en garde, sur les impacts que pourrait avoir la mise en place de ces politiques-là, selon la manière qu'on les design, les dites politiques. Alors d'abord, sur les causes invoquées, on a cette impression étrange d'entendre à la fois à gauche et à droite la proposition d'un revenu universel. Hein. C'est, pour petite mémoire, son plus grand théoricien et défenseur était Milton Friedman, qu'on ne peut pas confondre avec un trotskiste patenté. Donc, le père fondateur de l'école néoclassique et monétariste en économie, enfin, pas le père fondateur, mais à tout le moins sa figure de proue, et sans aucun doute le plus grand inspirateur du néolibéralisme à tout crin qui a pris place à partir de la fin des années 70. Et d'autre part, et donc, cette idée est défendue, notamment chez nous au Canada, par autant Hugh Segal, un ancien ministre conservateur, ancien sénateur conservateur également, François Blais, dont on a parlé il y a quelques secondes, ministre, mais qui était autrefois un universitaire, un des grands spécialistes de la question, deux personnages qu'on ne peut pas non plus qualifier de trotskistes radicaux. Mais ce genre d'idée est portée aussi, comme vous le savez, à gauche, notamment par Québec solidaire dans son programme politique au Québec, notamment. Déjà, c'est un objet de méfiance. On dit que toutes les lumières rouges devraient s'allumer, les sirènes partir en même temps quand on a l'impression que autant les conservateurs, au sens général du terme, au sens partisan, que les progressistes semblent défendre la même idée. Et donc, on invoque dans les deux cas des causes complètement différentes, hein, c'est-à-dire des justifications complètement différentes de ces mesures-là. Du côté, disons, je caricature, là, bien évidemment, dans cette courte présentation, du côté conservateur à droite, on va dire que avec la montée de la nouvelle phase de robotisation appuyée sur l'intelligence artificielle qui fait en sorte qu'on va perdre des tonnes et des tonnes et des zillions d'emplois, avec la montée de l'économie dite du partage collaboratif, pensez à Uber, pensez à Airbnb et compagnie, avec la mondialisation, et là vous pouvez mettre tout un char de buzzwords cher à la droite, la mondialisation, globalisation, progrès technique, optimisation des ressources et tout le bataclan. L'état social tel qu'il est ne peut plus suffire à protéger les plus démunis, les plus fragiles d'entre nous. Et de toutes les manières, le salariat va bien finir par s'éteindre, le travail ça n'existe plus, nous sommes tous des micro-entrepreneurs. D'un autre côté, à gauche, on va dire, sans doute là, il y a du vrai dans tout ça, hein, bien évidemment. À gauche, on va dire, ben, l'État social, on l'a rafistolé, démantelé,
patchée, ça ne fonctionne plus, les programmes sociaux ne fonctionnent plus. La logique néolibérale a mis en place une logique de performance, y compris pour l'aide sociale, comme on vient de le mentionner avec l'odieuse loi 70. On doit donc retrouver un sens à la solidarité et concrète et donc proposer une réforme majeure des politiques de soutien social. Alors, donc, déjà là, méfiance d'un bord et de l'autre. Il y a du vrai dans tout ça, bien évidemment. Il y a peut-être un peu plus de vrai à gauche, parce que je suis biaisé, qu'à droite. Il reste que tout l'argumentaire, et c'est parce que j'ai un peu plus de compétences aussi là-dedans, tout l'argumentaire autour de l'automatisation, de la montée de l'économie collaborative, et blablabla, et blablabla, ça fait 250 ans que ça dure. Ça fait 250 ans qu'on entend le même discours, ça fait depuis l'émergence du capitalisme, depuis la révolution industrielle, la première révolution industrielle, qu'on entend ce discours-là. Je suis en train de préparer un petit livre sur la question et je suis tombé sur un article absolument fabuleux du magazine Life, précisément du 19 juillet 1963. Si ça vous amuse, allez fouiller sur le web, c'est disponible en version intégrale, numérisée. On aurait pu prendre ce qui est écrit en 1963 et ne rien changer, à part le nom des machines. On aurait dit ordinateur plutôt que la machine-outil, c'est identique. On dit 40 à 60% des jobs vont être perdus dans 10 ans. L'article se conclut en disant, mais que ferons-nous de l'âme des travailleurs? Ils ne sauront plus quoi faire de leur vie. Donc, se méfier de ce genre de truc-là, le capitalisme est une machine à bouffer les transformations ça n'est pas donc d'hier que ça date. Deuxièmement, se méfier du vocabulaire. Là aussi, à droite comme à gauche, on tartine la vente de ce programme politique de mots qui reflètent de bons sentiments. Hein. C'est la solidarité, c'est la liberté dont Marie-Pierre vient de parler, c'est permettre le travail domestique, reconnaître le travail domestique, blablabla. À droite et à gauche, on tartine la chose de bons sentiments. Là aussi, on devrait se méfier parce que ça veut, au final, strictement rien dire. Et finalement, et surtout, probablement, évidemment, se méfier des impacts de ce genre de politique, et plus spécifiquement, des impacts qu'ils auraient compte tenu de la manière dont on designerait cette politique de revenu universel, minimum garanti, ou ainsi de suite. Parce que, d'une part, il y a deux éléments qui m'apparaissent importants. D'une part, à droite, sous couvert donc de ces bons sentiments et de cette nécessité de changer les choses à cause des transformations, notamment technologiques, finalement, on ne présente pas grand-chose d'autre qu'un réarrangement institutionnel, un réarrangement des fonctions de l'État, et ce faisant, on va s'en débarrasser d'une grande partie d'entre elles. Il y a du vrai dans l'argument d'efficience. Hein, on nous dit que ce n'est pas efficace, il y a une machine incroyablement lourde pour gérer ces programmes sociaux-là. Et je pense notamment à l'aide sociale et à l'assurance-emploi. Mais c'est vrai d'autres programmes. Dans ces deux cas particuliers, et encore plus pour l'aide sociale, l'aide de dernier recours, merci d'avoir utilisé le vocabulaire précis parce que ça me paraît encore plus frappant. C'est l'aide de dernier recours, de plus de recours. Et particulièrement avec les exigences qu'on impose depuis à peu près 25-30 ans, de plus en plus, et la loi 70 fait juste en rajouter une couche, je suis en train de me demander s'il n'y a pas un fonctionnaire derrière chaque bénéficiaire de l'aide sociale pour surveiller ce qu'il fait ou à peu près. Je pense qu'on soit là aussi de droite ou de gauche, il y a là effectivement un ménage à faire, pas que je veux me débarrasser de cette portion de la fonction publique, mais elle me semblerait cette énergie humaine et cette compétence mieux utilisée ailleurs. Se méfier de la manière qu'on va le faire, qui n'est qu'un réarrangement institutionnel qui permet de se débarrasser une fois de plus d'une grosse partie de l'État social, quand on lit des propositions comme celle qu'a portée par exemple François Blais pendant toute sa carrière universitaire. Deuxièmement, se méfier du pays des licornes.
qui ce pays des licornes et des calinours qui soit de droite ou de gauche, donc où on rêve d'un, comme tu l'as mentionné, là, d'un monde sans travail, et tout le monde est beau, tout le monde est fin. Même si, bien sûr, on ne présente pas ces propositions-là de façon aussi utopique, il y a une certaine utopie là-dedans qui est non dite, qui est celle de la fin des rapports d'opposition, des rapports de pouvoir entre le travail, entre les travailleurs et, pour utiliser les termes marxistes, entre le travail et le capital. Hein, c'est-à-dire que tout le monde devenant son micro-entrepreneur, donc on reçoit ce revenu de base, inconditionnel, on l'a dit, donc on peut en faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut de notre vie. Voilà une très belle idée en théorie, mais en pratique, premièrement, ce revenu de base est extrêmement minimal dans toute configuration qu'on pourrait imaginer, parce qu'on ne peut pas se payer, bien sûr, ce serait économiquement impensable dans le monde dans lequel on est, de permettre à chacune et à chacun d'avoir un revenu qui est vraiment décent et digne. Hein. C'est un strict minimum. Là. Pour vous donner une idée, on parle concrètement, la plupart des propositions, là, c'est autour de 1 000$ par mois. Non imposable, puisque c'est le concept. Ben, entre moi, 1 000$ par mois, on va pas loin. Hein? Donc, on n'est pas. C'est pas le pactole, c'est pas le PO. Donc, ce que j'allais dire, c'est que cette espèce de fantasme du micro-entrepreneur ou du créateur, et de la mère qu'on veut conserver au foyer, effectivement, cet argument est extrêmement fort. Mais je peux comment dire, on peut en faire le parallèle pour l'ensemble des activités humaines, c'est-à-dire que, bon, maintenant que vous avez votre revenu minimum garanti, là, arrêtez de chialer, arrêtez de revendiquer, vous avez ce qu'il faut pour vivre. Fin de la discussion, fin des luttes sociales, fin de l'opposition, fin des revendications. Et ça, c'est le piège le plus immense. Je ne dis pas qu'il faut être en défaveur d'une telle politique pour cette raison-là. Je dis qu'il faut se méfier de l'impact politique qui pourrait être celui-là si on met de l'avant une telle politique. Et ça, c'est un piège immense. Immense parce que dans quelques mois, dans un an et quelques, non, dans un an, on va être en campagne électorale, en pré-campagne électorale au Québec. C'est clair que ça va être un enjeu électoral. On va voir Québec solidaire déchirer sa chemise face au PLQ qui va déchirer sa chemise face à Québec solidaire. Le citoyen, la citoyenne lambda va écouter ça à la télé en disant « mais ils parlent dans la même affaire, puis ils ont l'air à s'engueuler, ils font juste s'engueuler pour s'engueuler finalement. » Et bref, ça va passer comme une espèce de gros machin incompréhensible où on va avoir l'impression que c'est la meilleure chose inventée depuis le pain tranché. On va enfin se débarrasser des contrôles abusifs à l'aide sociale, de la bureaucratie, des fonctionnaires qui remplissent des formulaires, de toutes les horreurs qu'on voit qui sont réelles et qu'on doit dénoncer. Là, il y a eu des reportages dans Le Devoir notamment, vous vous en souvenez, dans ces derniers mois, où une pauvre fille avait, je me souviens plus quoi, elle avait gagné 2$, elle était sur l'aide sociale pour une bonne cause, puis on lui avait coupé son chèque, enfin un truc complètement kafkaïen. Donc on va avoir l'impression de se débarrasser de tout ça, de tout ce qui fonctionne mal, pour le bien, on ne peut pas s'opposer à une mesure aussi vertueuse, mais pour au final se ramasser avec un discours canassé, parce que je vous parie un gros vin ou un... Non, j'ai pas beaucoup d'argent. Un gros 5 en papier que je garde en souvenir, ça va être la droite qui va la remporter, cette bataille-là. Comme elle l'a remporté dans la plupart des juridictions où sont implantées ce genre de politique-là. Et une fois que le PLQ va l'avoir implanté, on nous dit, ben là, arrêtez de nous achaler avec vos revendications sociales, votre solidarité, votre égalité et tous ces beaux mots de rêveur que utilise mon ami Christian Ladeau. Ça vaut rien. Nous avons donné la mesure la plus progressiste, égalitaire et solidaire du monde. Fin de la discussion. Et ça, c'est le grand danger à mon avis. Merci. Alors, nous allons donc entendre maintenant Sylvia. Mais, donc, après autant d'optimisme, allons-y. moi, je travaille avec les personnes assistées sociales et c'est avec eux qu'on a réfléchi à un projet de société. Évidemment, le revenu minimum garanti proposé par les libéraux nous fait énormément peur.
Évidemment, on ne pense pas que d'un coup, ils sont devenus socialistes et qu'ils vont nous garrocher plein d'argent, puis qu'on va tous être très contents. Donc, on sait très bien, d'ailleurs, on a même peur que dans les faits, présentement, le projet de loi 70 qui octroierait 400 $ aux gens qui ne vont pas faire de parcours vers l'emploi, ça serait ça le revenu minimum garanti. Donc, imaginons que si c'est ça, 400 $ le revenu minimum garanti, mais et comment ces gens-là vont faire pour vivre. Donc, nous, ça nous fait peur, mais on a quand même beaucoup d'espoir dans un projet de société qui pourrait peut-être nous unir. Donc, ça s'appelle le revenu social. C'est, dans le fond, l'idée qui a été réfléchie depuis 1996 avec, justement, des personnes à cité sociale et des salariés de groupe de défense de droit. Donc, nous, on revendique un revenu pour que les gens puissent vivre dans la dignité. Le social, c'est pour des services publics universels garantis pour tous. Et tout ça doit être universel et garanti, à la fois le revenu et le social. Parce que si on donne des services publics à tout le monde, mais qu'on les maintient en situation de pauvreté, donc ils sont en situation de pauvreté, mais le contraire est aussi vrai. Dans le fond, si on donne un revenu décent aux gens, qu'il faut qu'ils payent leur service public, les gens s'appauvrissent. Donc, imaginons que le revenu minimum garanti proposé par la droite, ce serait pour démanteler l'État, donc couper dans les services, mais ça pourrait être assez épeurant. Donc, c'est important d'y réfléchir et de s'unir pour voir qu'est-ce qu'on propose à place comme projet de société. Les principes qui sont derrière le revenu social, c'est d'abord l'idée de donner des droits humains à tout le monde, parce que si les gens n'ont pas un revenu suffisant, il y a énormément de droits qui sont bafoués, comme le droit au logement, à l'alimentation, pour dire seulement ces-là, mais le droit à la vie privée également. Parce que si jamais les gens n'ont pas accès à une alimentation saine, il faut qu'ils passent par les banques alimentaires. Et je ne sais pas si des gens parmi vous qui ont déjà été dans les banques alimentaires, mais il faut quand même remplir un questionnaire pour prouver qu'ils étaient en situation de pauvreté et avoir accès à cette alimentation-là, ce qui est pour nous une violation de la vie privée. Sans oublier que l'aide sociale a un contrôle énorme sur les personnes à cité sociale qui fait qu'ils peuvent aller fouiller dans toute ta vie, dans le fond, là, à la fois dans le public et dans le privé. Si jamais ils considèrent que tu pourrais être en couple avec quelqu'un, ils peuvent enquêter vraiment partout, là, même aller voir à des banques où tu n'as même pas de compte de banque. Donc, c'est une violation de la vie privée que nous, on pense que ça vaudrait la peine d'être ôté. Pour aller le plus rapidement possible, dans le fond. Il y a aussi toute l'autonomie économique des personnes, c'est-à-dire que lorsque les personnes à cité sociale se retrouvent en couple, après 12 mois, le gouvernement va décider de les marier. C'est pas... et peu importe, hein, tu peux être en colocation, après 12 mois de colocation, le gouvernement va dire « Oh, ben peut-être que vous êtes un couple », et alors ils vont ouvrir une enquête sur cette... au couple, que vous soyez vraiment en couple. Et si jamais vous êtes reconnu coupable, dans les faits, si jamais vous réussissez pas à dire que vous n'êtes pas coupable, prouvez que vous n'êtes pas coupable, parce qu'à l'aide sociale, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est le contraire de la justice criminelle, dans le fond, là, où ce que le jugement, t'es supposé être innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, si tu ne réussis pas à prouver que tu es innocent, mais tu vas avoir une coupure de prestations, c'est-à-dire que les personnes vont se retrouver avec un chèque pour les deux. Mm-hmm. Et au lieu d'être un 628 plus 628, c'est 947 qu'ils vont avoir. Donc, c'est une perte là, au niveau du revenu. Et si jamais le couple, une personne du couple travaille, mais là, la personne devient dépendante de l'autre parce que va devoir se faire vivre par le ou la conjointe. Et pour nous, ça, c'est une perte immense d'autonomie pour les personnes, puis qui peut engendrer de la violence de toutes les formes. Puis, moi, quand je travaillais dans un groupe de défense de droit des personnes à cité sociale, puisque avant d'être au groupe de recherche, je faisais dans un groupe de défense de droit, on travaillait étroitement avec des maisons d'hébergement.
puis dans ces, pour femmes violentées. Et souvent, les femmes sortaient de l'hébergement parce qu'ils avaient fait le nombre de temps qui avaient le droit d'être là, dans les faits. Et ils sortaient sans prestation d'aide sociale parce que le conjoint violent, dans le fond, possédait des maisons, une auto, etc. Ben, une maison, une auto. Ce qui faisait que la personne, la femme n'avait pas droit à l'aide sociale parce qu'elle avait trop de possession avec son conjoint violent. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, elle retournait vers son conjoint. Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse d'autre? Elle n'avait aucun revenu. Donc, avoir accès à ce revenu-là pourrait permettre, dans le fond, à ces femmes-là de mieux s'émanciper. Ça favoriserait aussi la reconnaissance des diverses contributions citoyennes. Les personnes à cité sociale, la plupart travaillent sans avoir de salaire au bout de la ligne, c'est-à-dire que la plupart vont contribuer à la société par du bénévolat, de la militance. Certains sont des artistes et des proches aidants, ou certains éduquent leurs enfants, etc. Et ce travail-là, qui est non rémunéré, a une valeur de 33% du PIB. Donc, les personnes qui se retrouvent à faire du travail sans salaire contribuent à la richesse collective, mais on ne reconnaît pas cette contribution-là par un véritable revenu. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on le reconnaisse et qu'on leur donne la possibilité de continuer à pouvoir contribuer et de mieux, encore plus contribuer dans le fond que ce qu'ils sont capables de faire présentement parce qu'on les maintient en situation de survie. Et cette situation de survie-là fait que la plupart du temps, ils ont des difficultés dans le fond à s'impliquer autant qu'ils voudraient parce que être en survie, ça prend énormément de temps. Courir après les spéciaux, aller dans les banques alimentaires, etc. Tout ça prend du temps. Et ce qui fait que leur implication est moins disponible, dans le fond, pour s'impliquer. Il y a aussi la diminution de la barrière au niveau pour faire des choix. Parce que lorsque tu es en situation de pauvreté, souvent on fait des choix par nos choix. On peut s'imaginer, on a eu énormément de témoignages de femmes qui avouaient faire de la prostitution fin de mois pour arriver à la fin du mois. On a aussi des gens qui nous ont dit qu'ils faisaient de la revente de drogue pour être capables de survivre, parce qu'avec 128 par mois, c'est pas assez pour vivre. Et ils avouaient que s'ils pouvaient avoir un revenu décent, ils feraient pas ces travails-là qui sont illégales, parce qu'ils savent très bien que c'est illégal, ils ont peur de se retrouver en prison. Là, je suis en train de dire que grâce à ça, là, il n'y aura plus de vente de drogue nulle part, là, parce que la mafia, c'est pas mal plus payant pour eux, mais pour les petits revendeurs, c'est dangereux. Et il y a des possibilités d'être emprisonné. Puis si on réussit à éradiquer cette petite criminalité-là, on irait rechercher beaucoup d'argent dans les faits, parce que judiciariser des personnes pour la criminalité de fin de mois, d'un, ça coûte cher à la société, et en plus, ces personnes-là, un coup qu'ils sont un dossier criminel, c'est difficile pour eux de repasser vers l'emploi, fait que là, on les maintient en situation de pauvreté, ce qui est un peu aberrant comme système. Donc, et comme j'ai parlé tantôt, le revenu social, c'est aussi des services publics accessibles pour tout le monde. Et nous, quand on parle de services publics, on les élargit beaucoup plus que ce qu'on a là présentement. Dans le fond, on revendique les frais de scolarité gratuits pour tout le monde et l'accès aux services en santé et services sociaux. Présentement, dans nos services publics, on a de moins en moins accès aux services sociaux. Avoir accès à un psychologue, un psychiatre, etc., c'est difficile. Et donc, ce qu'on demande, c'est de revoir cet accès-là. Imaginons quand tu es en situation de pauvreté de réussir à aller voir un psychologue dans le privé, mais tu n'y vas pas, mais tu continues à avoir des problèmes de santé mentale et donc tu as des difficultés à retourner vers l'emploi. C'est soit qu'on donne un revenu assez décent, donc super élevé pour que le monde puisse se le payer, ou bien on se le paye dans le public collectivement, ça revient beaucoup moins cher pour tout le monde. Pour nous, c'est aussi. Il me reste du temps en masse, hein? j'ai été un très mauvais gérant. Vas-y. Puis moi, je n'ai pas regardé avant de commencer, désolé. Mais j'ai bientôt fini. Donc, 3 minutes, ça va? Oui, c'est bon.
Donc, pour nous, c'est aussi une véritable redistribution de la richesse. Dans le fond, tout impôt gagné au-dessus du revenu serait imposé selon une table d'imposition plus progressive que ce qu'on a présentement et selon les moyens de payer pour tout le monde. Fait que, mettons que tu fais 1 000$ de plus dans ton année, mais possiblement que tu vas t'imposer à 1%, puis que la personne qui fait 100 000 de plus, mais il va être imposé beaucoup plus que ça. Moi, je ne suis pas fiscaliste ni économiste, fait que je peux pas vous dire comment ça va être réfléchi, ça, cette table d'imposition-là, mais sûr que ça se fait. Présentement, on a 4 paliers d'imposition au Québec, puis on en a déjà eu 16, fait que, on peut en mettre illimite des paliers d'imposition, c'est pas vraiment un problème. C'est aussi pour nous un nouveau programme qui remplacerait l'aide sociale, l'aide financière aux études, les allocations familiales, parce que pour nous, c'est de la naissance à la mort, donc il n'y aurait plus besoin d'allocations familiales. Ça remplacerait aussi le crédit de solidarité puis la prime au travail. Ce serait cumulable, par contre, pour toutes les assurances qu'on se paye, comme la SAC, la CSST, l'assurance chômage, comme on se le paye de toute façon sur en contribuant. On pourrait continuer à l'avoir et le revenu de la CSST, de la SAC, etc. serait imposé. Puis ça serait aussi cumulable à la pension de vieillesse parce qu'on est encore une fédération. En gros, je vais arrêter là, dans le fond, puis je répondrai aux questions. Merci beaucoup. Ça permet d'avoir un tour d'horizon quand même assez intéressant. Moi, ce que j'entends, en fait, c'est dans vos pour et vos contre, d'une part, c'est qu'on ne parle pas vraiment du même objet, c'est-à-dire que le projet que tu viens de présenter est très différent de ce qu'on a en tête en général, ou en tout cas, ce qu'on a en tête à l'heure actuelle au Québec. Et là, toute la question est de savoir, peut-être qu'on pourrait éclaircir, par exemple, quels sont les projets politiques derrière le revenu minimum garanti lorsque on pense à, par exemple, ce que souhaite Québec solidaire ou ce que souhaite le Parti libéral, dans la mesure où c'est possible, parce qu'on a relativement peu d'informations de part et d'autre sur le détail de ce qu'ils souhaitent. Mais malgré ces différences, il me semble y avoir deux types d'attitudes. Une première qui consisterait à dire l'idée serait bonne, mais le contexte actuel est tel qu'elle serait très facilement récupérée par, disons, la volonté de vouloir déconstruire l'État social, d'une certaine manière. Donc ça, c'est un peu ce que j'entendais de la part de Yannick, c'est-à-dire que dans un contexte où nous assistons clairement à un démantèlement de l'État social, n'est-il pas même risqué, et là j'emploie les expressions que tu donnais, c'est-à-dire les sirènes d'alarme, etc., d'aller dans ce sens-là, même si les motivations, par ailleurs, comme celles que tu as exposées, pouvaient être très intéressantes. Mais le contexte risque de faire en sorte qu'il y aurait des rapages. L'autre, disons, point d'interrogation que j'entends, et je le vois de manière encore peut-être plus fondamentale, c'est que, indépendamment même du contexte, c'est qu'il y a une logique individualisante au projet et qui pourrait être compensée par l'idée selon laquelle ce n'est pas simplement les revenus qui sont garantis, mais les services sociaux. Donc là, on a à la fois l'idée, disons, d'une responsabilisation des individus, d'une certaine manière, on leur donne un revenu, maintenant, agir en fonction de ton revenu, mais il y a quand même des protections sociales qui continuent d'exister. Donc on pourrait dire, cette individualisation, elle est tempérée ou freiné par l'idée selon laquelle les revenus sociaux vont demeurer. Mais malgré tout, moi ce que j'entends en tout cas de ton propos, c'est que cette individualisation, elle est pernicieuse dans la mesure où, c'est un peu comme si l'individu était traité, disons, de manière égale pour chaque personne, de sorte qu'en fait, loin d'être une forme d'individualisation, il y a une forme d'individualisation au sens où on dit tu as un revenu, tu en es responsable, et puis maintenant tu dois agir en fonction de ce revenu. Mais en fait, c'est une forme d'homogénéisation, c'est-à-dire que finalement, c'est un peu comme si on disait chaque situation, d'accord, faisons table rase des différences, faisons table rase des projets de vie, faisons table rase des talents, des aptitudes, des capacités, etc., etc. Et chacun, ensuite, aura exactement la même capacité de faire selon ce qu'il doit faire. Donc, par exemple, toute la notion d'accident dans une vie, en quelque sorte, devient
problématique. Alors ensuite, on pourrait compenser les ça en disant, bah, s'il y a des accidents dans une vie, dans un parcours de vie, si par exemple il y a des problèmes de santé, si par exemple, je ne sais pas, il y a une dépression, peu importe, alors il y a les services sociaux. Mais ce n'est pas les seuls accidents possibles qui peuvent se présenter dans une vie. On peut imaginer par exemple qu'une personne, tout à coup, se rend compte qu'en fait, les choix qu'elle a fait ne l'amène pas du tout dans la vie qu'elle avait souhaitée. Et ça n'a rien à voir avec des questions de santé, de dépression, etc. Donc, et elle se trouve malgré tout sans cesse référée à sa responsabilité individuelle parce qu'on a homogénéisé les perspectives de vie d'une certaine manière. Donc, vous voyez, pour le problème, en fait, c'est que, et là je rebondis sur la mise en garde de Yannick, c'est que à partir du moment où on a une telle conception des choses, l'idée même de solidarité devient difficile, parce que l'idée de solidarité, ce n'est pas que nous allons agir tous ensemble de manière à être homogène et dans un seul bloc. L'idée de solidarité se présente justement lorsque nous sommes des personnes avec des projets de vie différents. Donc ce n'est pas simplement des projets, des états, c'est-à-dire que nous avons des revenus différents, c'est que nos projets de vie sont différents. Ce qui fait l'idée de solidarité, c'est précisément lorsque, par exemple, un artiste s'intéresse à la question du chômage et qu'une personne qui travaille, par exemple, dans les mouvements de défense des droits des chômeurs, va s'intéresser, par exemple, à la culture. Donc, des interactions entre des réalités de vie très différentes. Donc, j'aimerais vous entendre à la fois sur les modalités politiques, comment ça pourrait se présenter, et sur ces questions, disons, de est-ce que nous sommes vraiment devant une stratégie, même dans sa meilleure version, qui vise malgré tout une forme de solidarité? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer sur ce point, peut-être Marie-Pierre. Wow. Ben, je suis contente, je suis enchantée. Pour Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois a quand même parrainé le petit livre contre l'allocation universelle qui est paru cette année. Il va être un petit peu mal pris. Ce n'est pas la première fois. Je m'interroge beaucoup sur l'universalité. Ça, c'est intéressant parce que comme j'apprends encore, je suis encore fascinée par ce projet de revenu minimum garanti, j'en arrive à l'idée aujourd'hui que, bon, vous savez, je pense que la notion d'universalité va mal. Elle va mal, ne serait-ce que du point de vue aussi du sens qu'on lui a donné, qui a changé dans le système de protection sociale. À l'origine, l'universalité était vraiment alignée avec deux idées fortes, celle de la citoyenneté, celle du droit, et elle impliquait des montants, des mots subventions, comme on les appelait, c'est-à-dire des montants strictement égaux. Et dans la foulée de cette néolibéralisation du système de protection sociale, où on s'est dit, non, mais ça, cette universalité-là, ça coûte trop cher. Vous savez bien que les familles qui en ont pas besoin les touchent aussi. Il faut plutôt déplacer cette idée d'universalité vers celle de filet de sécurité. Et pour vrai, les libéraux, quand ils ont implanté une des récentes réformes, là, il y a 7-8 ans, de l'allocation familiale, ils ont dit, enfin, ce sera vraiment une mesure universelle, pas dans la mesure où l'était l'allocation universelle implantée en 1945, mais dans l'esprit de la fiscalisation, c'est-à-dire être universelle, la garantie que quiconque est trop pauvre va pouvoir être assuré de toucher le montant qu'il a droit en fonction de ses autres revenus, etc. Donc, une universalité qui est celle du filet de sécurité. Mais surtout, ce que moi, je trouve, c'est que cette nouvelle universalité continue néanmoins à s'appliquer à des situations différenciées. Est-ce que, pour vrai, il faut... c'est un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'il y a cette bureaucratie, cette atteinte à la vie privée, etc. Mais est-ce qu'on doit réellement abandonner la possibilité qu'on a de tenir compte de la différenciation des situations? Une personne qui souffre de handicap n'est pas la même personne que le travailleur blanc de 40 ans, qui est de toute façon la personne la plus oubliée de la redistribution, là. Mais c'est parce que quand même, leurs situations ne sont pas les mêmes. Puis,
Les enfants, c'est pas la même chose. Donc, moi, je continue. En fait, je suis vraiment en train de me dire, puis peut-être en venant de plein d'autres endroits que la réflexion sur l'allocation universelle, qu'il faut maintenir une attention aux situations, que la justice située que ça implique est beaucoup plus riche qu'une idée d'universalité au sens où on traiterait tout le monde abstraitement. Mais je pense qu'il faut aussi rééchapper les questions de citoyenneté puis de droit au sens très très fort du terme en faisant ça, donc articuler vraiment une justice située. J'ai eu l'impression pour la deuxième question d'entendre, est-ce que c'est une simple question de contexte? Pour ma part, je pense que si on fait abstraction du contexte, alors je suis radicalement contre le revenu de citoyenneté, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose de radicalement, de foncièrement absurde à dire vous allez pouvoir vous libérer notamment du travail par un revenu garanti. Or, jusqu'à preuve du contraire, dans un système capitaliste qui nourrit l'affrontement des relations qui est le travail, la seule manière de produire du revenu, grosso modo, la manière essentielle de produire, de générer du revenu qu'on va pouvoir redistribuer, c'est par le travail. Donc, cette idée qu'il faut aller vers une dynamique toujours plus importante de croissance pour libérer toujours plus de gens de cette dynamique marchande, je la trouve radicalement absurde. Puis je me dis, ben là, il me semble que s'il y en a que ça fait encore rêver, là, l'allocation universelle, là, après nous avoir entendu parler, là, admettons, là, ben alors envisageons réellement une mesure ou un programme qui soit décroissanciste, par exemple, et qui imagine plus de temps et pas plus de revenus, et qui irait dans un esprit donc de démarchandisation de la vie. Si je peux me permettre, je vais poursuivre sur ce que tu viens de dire. Je pense mettre la table pour ce que tu vas vouloir ajouter en même temps. C'est-à-dire que dans ce que vous avez entendu de Sylvia dans la troisième présentation, vous n'avez pas entendu plus d'un pour cent de sa réflexion, de la réflexion de son groupe. Et je dis ça pour lui permettre d'en parler davantage, mais non, c'est pas vrai. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Je dis ça parce que ce que présente Sylvia, son groupe, mais beaucoup de défenseurs de cette mesure-là, ça n'est pas justement que de défendre le revenu universel. C'est un projet politique. C'est un projet social et c'est un projet économique. Sylvia vous a établi un paquet de trucs. Elle a parlé de bracket, c'est quoi en français? Les paliers d'imposition. Donc, un paquet de mesures là, qui doivent être faites en même temps, pas pour pouvoir se payer. Ça va être le discours que le PLQ va avoir. Il va dire, ben là, si on veut se payer ça, ben, ça va coûter une beurrée, on s'entend, là, 1 000 $ par mois par personne sur 8 millions d'habitants, pas besoin de vous faire un calcul. Bien qu'il y en a qui vont repayer, bien évidemment. Mais les défenseurs vont dire, mais là, si on veut se payer ça, mais on va couper ailleurs. Et d'ailleurs, les défenseurs les plus radicaux de cette mesure-là, c'est-à-dire les Milton Friedman de ce monde, je ne dis pas que François Blais est comme ça, quoique, peut-être moins en politique, mais Friedman va dire, de façon tout à fait cohérente d'ailleurs avec sa philosophie politique, va dire, ben, puisqu'il est extrêmement individualiste, donc à l'extrême, radicalement, ben, OK, collectivement, on accorde ce minimum-là, mais après ça, débrouillez-vous. Achetez-vous l'assurance santé, payez-vous vos études, payez la garderie, et ainsi de suite. Mais il faut pas, même si on n'aura pas ce discours, bien évidemment, extrême, qui ne passerait pas politiquement, faut pas oublier cette notion dont vous venez de parler tous les deux. Et que si on veut défendre de façon cohérente un revenu minimum garanti, je serais de ceux et celles qui le défendraient, il faut le faire dans le cadre d'un projet politique et économique radicalement différent de celui qui est le nôtre. Ce que ne défendra pas le PLQ, bien évidemment. Et même si je les aime beaucoup, ce que défendra pas nécessairement le Québec solidaire de façon pragmatique et réaliste dans l'arène électorale. Peu importe les idées fondamentales de plusieurs des gens qui l'animent.
quand je disais que je faisais une mise en garde par rapport, et tu viens de le répéter d'une autre manière, par rapport à la caractérisation essentielle du capitalisme, qui est une opposition d'intérêt entre le capital et le travail, qu'on a l'impression par cette mesure-là d'estomper cette opposition-là, c'est qu'on ne se pose plus, en se concentrant sur cette mesure-là, on ne se pose plus de questions sur les résultats pervers que notre économie capitaliste avancée produit, c'est-à-dire l'augmentation des inégalités, l'augmentation de l'accaparement de la richesse par une élite de plus en plus petite et de plus en plus riche. Je vous ai voir le magazine Forbes qui est paru cette semaine dans la liste des milliardaires du jour. Là, c'est très, très, très réjouissant. Ses impacts, bien sûr, sur les écosystèmes, et j'en passe à des meilleurs. Donc, on se dit, on va, comme je le disais tantôt, faire un réarrangement institutionnel. On se débarrasse de l'aide sociale, de tout ça, de bebel. Qui, encore une fois, comme je me permets de le répéter, c'est pas mal en soi de réfléchir à ça. Mais, ce faisant, on oublie que ça doit s'inscrire dans un projet politique, beaucoup plus large. Il pourrait être décroissanciste, comme tu viens de le dire, il pourrait être de bien des manières, mais une chose est certaine, ça ne changera strictement rien à la dynamique de captation de la création de richesses par un petit groupe dans la société qu'on donne ce revenu minimum garanti à une vaste majorité d'entre nous. Cette dynamique va rester et va continuer à empirer ce qu'on voit depuis 30 ans d'effets pervers dans l'évolution du capitalisme. Et c'est ça, c'est là où je n'étais pas rendu dans ma page 3 tantôt. Là. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que si on ne fait que discuter, c'est ça qui va arriver dans 12 mois, si on ne fait que discuter du revenu minimum garanti, on va se faire, excusez-moi l'expression, fourrer. Parce qu'on va oublier complètement les autres enjeux tragiques du fonctionnement de notre société. Un dernier petit élément en parallèle, moi ce qui me fait hurler, c'est quand on dit qu'on défend souvent de façon très noble, j'en suis persuadé, de façon très authentique, l'idée que ben, ça va permettre effectivement une plus grande liberté, là, je reprends un peu ce que tu disais, avec ce revenu minimum garanti, je vais cultiver mon potager, écrire de la poésie et élever mes enfants. OK, c'est correct, dans l'absolu, j'ai strictement rien contre cette idée. En revanche, il n'est pas là le problème. Pourquoi quelqu'un qui veut écrire de la poésie n'est pas capable de le faire et gagner sa vie présentement? S'il a le mérite, s'il a le talent. Pourquoi quelqu'un qui s'occupe des enfants, une mère monoparentale dans mon quartier, dans Chagas-Maisonneuve, qui a 3 enfants, qui dort, ne peut pas travailler, ne gagne pas dignement sa vie? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi lorsqu'on rêve de changer le monde, d'avoir un projet de vie qui ne cadre pas avec le travail salarié, professionnel, la carrière, l'enrichissement, etc., ces gens-là, ces femmes et ces hommes-là ne gagnent pas dignement leur vie. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Et le revenu minimum garanti, non seulement ne répond pas à ces questions-là, ne pallie pas à ce problème-là, mais oblitère carrément la possibilité de poser la question. Point. Avant de te donner la parole, Sylvia, il y a un autre élément aussi moi, qui m'a toujours inquiété, c'est que quand on voit les luttes de longue durée et puis avec quel acharnement on a du mal à avoir un salaire minimum de 15$, alors on imagine un revenu minimum garanti qui serait fixé et qui ensuite ne serait jamais indexé au coût de la vie, de telle manière que, en fait, dans l'espace de quelques années, Le revenu déjà dérisoire, surtout s'il est dans l'optique que tu annonçais toi-même, c'est-à-dire que surtout si nous ne sommes pas du tout dans le 1000$, mais plutôt dans le 400$, ce qui est tout à fait plausible, c'est pas un scénario catastrophique, là, c'est totalement plausible. Alors essayez d'imaginer ce que ça signifie dans une situation où, par exemple, les loyers augmentent en flèche et que la nourriture, le prix des denrées essentielles devient... absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que ici, ce soir, on a réussi à en parler quand même de manière, disons, relativement posée, mais on parle de personnes humaines. Oui. C'est ça qu'il faut quand même ne jamais oublier. On parle de personnes qui, en gros, vont être vues comme étant quantité négligeable. C'est ça qui est la vraie question.
Excuse-moi, je t'ai... Mais Blais, il, dans ses écrits, il parle même de 300 $, hein, fait que ça pourrait être même plus bas que 400, là, fait que... Mais donc, oui, ça pourrait être des scénarios catastrophes, ça pourrait être vraiment effrayant, mais en même temps, présentement, il y a des gens qui vivent avec 620 sous par mois et qui ont et qui sont qui ont été longtemps pas indexés au coût de la vie, ouais, pendant plusieurs années. Et donc, quand j'aurais pas aussi bien dit, je pense que Yannick, exactement, quand on réfléchit à la société dans laquelle on est, il faut réfléchir à une autre façon de voir la société pour penser que c'est possible de vivre dans un revenu social universel garanti. Parce que si on reste dans les mêmes paradigmes que dans lesquels on vit présentement, c'est sûr qu'on peut se dire un revenu social universel garanti, c'est utopique, c'est impossible de penser à ça. Sauf qu'en même temps, le gouvernement, depuis plusieurs années, il se coupe de revenus et présentement, on fait que, on se coupe plein de revenus dans la colonne du revenu, plein de montants qui pourraient rentrer dans la colonne des revenus, et on fait que couper dans la colonne des dépenses. Hein. Puis là, on n'arrête pas de se dire, ben là, on peut pas se payer ça, faut vivre l'austérité parce que c'est pas possible de se payer ce qu'on se paye, notre état-providence qu'on avait avant. En même temps, il y aurait possibilité de trouver d'autres façons d'augmenter la colonne des revenus que le gouvernement fait pas présentement. Et donc, de possiblement penser à une société plus juste et égalitaire qui... ce que plusieurs penseurs me disent par rapport aux revenus de base ou revenus minimum garanti ou en tout cas, appelez-le comme vous voulez, dans le fond, c'est selon chacun, je pense, le nom qu'on leur donne. C'est que un tel revenu, ça ne va pas faire éclater le système capitaliste dans lequel on vit présentement, et même c'est même le contraire, dans le fond, ça va l'alimenter, le système capitaliste. Ce qui va peut-être être mieux, c'est qu'on va peut-être arrêter d'être dans un système capitaliste sauvage, où il y a des gens qui vont chercher énormément de richesses sur le dos d'une grande partie de notre population, pendant qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim. Donc, on va peut-être être capable de faire une meilleure redistribution de la richesse de cette façon-là. Et au niveau de est-ce que les gens vont continuer à travailler, là, si jamais on a, tu sais, parce que depuis tantôt, on dit, le revenu minimum garanti va faire que les gens vont rester loisifs à rien faire. Possiblement qu'ils vont décider de faire des choses qui les intéressent plus que aller travailler au McDonald's, puis qui ont peut-être plus de sens pour eux aussi. Possiblement que c'est ça qui va se passer. Mais dans les faits, il y a eu des sondages qui ont été faits où ce que il y a 80% de la population qui a dit que si jamais il y avait un revenu minimum décent qui était donné, il allait continuer à travailler. Certains qui allaient continuer à travailler, mais d'une autre façon, différemment, mais qu'elle allait continuer à travailler. Si on pose la question, oui, mais ton voisin va-tu continuer à travailler? Il y a 80% de personnes qui disaient non. Le voisin, lui, va pas continuer à travailler. Parce qu'on, donc, on se fait confiance, nous, qu'on va continuer à travailler, mais on pense que tous les autres autour de nous, c'est une gang de paresseux. Selon moi, présentement, ce qu'on fait vivre à des personnes au Québec, c'est qu'on se coupe d'énormément de talents. Okay? Tu sais, il y a des gens qui ont des talents exceptionnels, puis parce qu'on les maintient en survie, on perd ces talents-là. Parce que si il y aurait un revenu décent, ils pourraient peut-être partir leur petite entreprise, ils pourraient peut-être s'émanciper. Parce que oui, tout le monde a des projets de vie différents, sauf qu'on n'offre pas la possibilité à tout le monde de vivre leur projet de vie dans les faits. Parce que quand tu nais dans une famille pauvre, c'est beaucoup plus difficile de t'en sortir puis de rêver à une meilleure vie que quand tu nais avec une cuillère en or dans la bouche, clairement. Merci beaucoup. Écoutez, c'est extrêmement riche. Alors, je vais tout de suite ouvrir la période des questions, je crois, plutôt que de continuer une interaction. Ce que je vous demanderais, c'est de vous déplacer en avant pour poser vos questions. Si vous ne voulez pas être filmé, vous n'avez qu'à nous le dire. Et je vous demanderais, là je m'excuse, je vous invite, puis en même temps je vous mets en garde, simplement qu'on évite les questions conférences. Vous savez, dans ce genre d'événement, il y a toujours des questions qui sont des conférences en elles-mêmes. Donc, c'est simplement pour que...
chaque personne puisse poser la question qu'il a en tête. Donc j'espère que cette mise en garde n'a pas refroidi personne. Merci. Est-ce que ça vous va si vous êtes filmé? Merci beaucoup. Je me nomme ou... Ah, c'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Ouais, mon nom, c'est Pierre Leroux, je suis professeur retraité. Mon nom, c'est Pierre Leroux et je suis professeur retraité. Oui, il faut presque embrasser le micro. Je remercie les personnes du panel pour les exposés qui sont très clairs et très précis sur un sujet qui n'est pas très évident. Une première question rapide, c'est, je ne me souviens plus de votre nom, madame, mais votre projet, si je comprends bien, ce n'est pas un projet à coût nul. Et si ce n'est pas un projet à coût nul, comment envisagez-vous le financement et puis le coût? Est-ce que j'aurais une deuxième question, bien sûr? Bon. C'est pas une conférence, c'est un petit commentaire. J'ai particulièrement été intéressé par ce que vous avez dit sur les effets pervers liés à l'illusion du travail individuel que pourrait permettre un revenu minimum. C'est une illusion qui d'ailleurs est présente même dans les projets qui sont beaucoup plus ambitieux et qui vont jusqu'à 1500 ou 2000 dollars par mois. Et je pense que c'est directement lié au fait, comme vous l'avez un peu souligné, qu'on se retrouve dans un marché capitaliste et que toute production marchande va de toute façon être validée par le système et qu'on risque de se retrouver sur un système d'entrepreneuriat. Ma question, c'est comment se fait-il que dans les groupes de gauche ou partis de gauche, il n'y ait pas de réflexion, peut-être que je suis ignorant, mais plus avancée sur une autre façon de travailler, un autre rapport à l'emploi, un autre rapport au marché de l'emploi. Parce que je pense que tant que ces questions-là ne seront pas plus clarifiées, tant qu'il n'y aura pas de perspective un petit peu plus claire, ça va automatiquement rester le paradigme du travail-emploi et puis du marché de l'emploi. Merci beaucoup. Peut-être commencer par... Oui. On vient de lancer un nouvel argumentaire, une version 2 d'un argumentaire sur le revenu social. Donc, pourquoi on veut un revenu social, mais aussi comment on pourrait se payer ça collectivement au Québec. Donc, je vous inviterai à aller le lire, mais rapidement, dans le fond, quelques hypothèses de comment on peut se payer ce projet-là. Bon, d'abord, il y a la taxe Tobin qui est revendiquée par les attaques, qui sont... il y a une attaque Québec ici, mais il y en a à travers tout le monde, dans le fond, qui revendique une espèce de taxe Robin des Bois où on irait taxer les transactions financières. Ici, on taxerait 0,05% ces transactions financières-là. Mais d'ailleurs, ça diminuerait peut-être les transactions financières, puis il y aurait peut-être moins de chances de crise économique. Là. Mais aussi... de deux, c'est qu'on réussirait à éradiquer la pauvreté absolue parce que ça donnerait des milliards de dollars dans le fonds de revenus par attendez un instant que je retrouve dans mes notes, par année. Dans le fond, c'est 650 milliards par année qui pensent qu'on pourrait aller récupérer juste comme ça. Il y a aussi le mouvement Revenu de base, qui est un mouvement mondial, où ce qu'ils réfléchissent à comment on pourrait se payer ça au niveau mondial, qui dit qu'on pourrait imposer les robots. L'idée est assez simple, c'est que logiquement, s'il y a des robots qui font notre job, ben, puis que nous, on ne peut plus consommer parce qu'ils font notre job, ben, ils pourraient peut-être payer leur juste part puis nous la refiler. D'autres aussi idées comme le 10 milliards de solutions de la coalition Main Rouge pour se payer des services de santé qui a du bon sens, services sociaux plutôt, qui a du bon sens. Donc, en gros, il y aurait ces façons-là. Et au niveau d'autres façons de faire le travail, parce que il y a eu pendant le forum social des gens qui ont parlé, il y a tout le troc là, qui présentement, ça se fait énormément, même ici au Québec, mais il y a aussi des gens qui ont pensé à une nouvelle monnaie, une nouvelle façon de faire de l'échange, de la marchandisation. Il y a aussi ces idées-là qui pourraient être réfléchies. Le mouvement Revenu de base France, c'est ce qui est revendiqué dans le fond, de réfléchir à une nouvelle monnaie pour qu'on ne soit plus pogné dans la monnaie du système capitaliste dans lequel on est présentement. Moi, j'ai pas de position là-dessus. Je suis pas encore assez loin dans cette réflexion-là. Merci beaucoup, Dr. Yannick. Très brièvement, je ne répondrai pas pour la gauche.
je ne suis pas porte-parole de personne, mais vous avez raison, je pense qu'il faut réfléchir, justement, quand je dis réfléchir plus large, comme Sylvia vient de le dire aussi, c'est réfléchir même à notre rapport au travail. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que la contribution à la vie matérielle qui est hors marché? Quelles sont les conséquences de la marchandisation du travail? Bon, on commence à le savoir, ça fait 250 ans que ça dure, mais je pense qu'on n'a pas... On devrait remettre à jour ça. Et en remettant à jour, quand je dis remettre à jour, il y a plusieurs avenues possibles. Oui, revoir des propositions radicales, c'est-à-dire dans le sens de changer radicalement le système. On parlait de décroissance tout à l'heure, donc de sortie, entre guillemets, du système capitaliste, qui me paraît, comme dit mon ami Jean-Marc Piotte, autrefois je croyais au grand soir, maintenant je préfère les petits matins. Je pense pas que dans le contexte dans lequel on est, ce soit bien pragmatique et envisageable. En revanche, je pense que tout en se méfiant de la capacité, de la puissance incroyable du système capitaliste et de son bras idéologique qui est le néolibéralisme, à tout récupérer, voire à soit trop récupérer ou laisser tranquille les enfants qui veulent bien rêver, puis bon, on va leur donner des machins, comme le revenu minimum garanti, puis là, bon, ils vont pouvoir rêver, on peut quand même concrètement changer les choses de façon communautaire, de façon à plus petite échelle. Cela étant dit, dans la réflexion qu'on a, qu'on va avoir, et je me permets de le répéter pour la troisième fois, ça va être dans 12 mois, ça va être un enjeu politique concret, et on va voter là-dessus, il va falloir oublier ces ambitions, ces grandes ambitions et s'en tenir à des positions beaucoup plus pragmatiques. Christian, tu as bien fait de souligner qu'on parle ici d'humains, on parle ici de gens qui souffrent en général. Pour moi, une avenue, non pas facile, mais adéquate de repenser cette idée-là dans ses fondements, donc ce que le revenu minimum garanti voudrait faire, et par rapport au travail, par rapport à nos choix de vie, c'est d'examiner ce qu'on a présentement comme programmes sociaux qui ont été scrappés les uns après les autres et avoir des propositions à court terme, immédiates, pour les rebâtir sur d'autres bases, justement. Une des forces qui fait le plus rêver, je pense, dans le revenu minimum garanti, c'est cette idée de sécurité. Hein, c'est-à-dire, je vais pouvoir, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je sais qu'il y aura au moins une espèce de petite zone sécuritaire qui me permettra d'avoir un toit et de la bouffe dans mon frigo. C'est ça qui fait rêver beaucoup. Peu importe les vicissitudes de la vie, je sais que collectivement, on prendra soin de moi. Ça, il y a moyen de le faire dans le cadre des programmes qui existent. Ne serait-ce qu'en les rebâtissant. Ne serait-ce que rebâtissant l'aide sociale de façon intelligente, n'en faisant pas une espèce de police étatique digne de la Stasi, parce qu'on est, c'est là, je veux dire, Sylvia a été très très douce tantôt en montant les exemples. Moi j'en ai connu dans mon entourage où justement on soupçonnait un couple d'être, c'est-à-dire un décolocataire d'être un couple, où l'agent d'aide sociale va dans la chambre physiquement là, et regarde s'il y a un lit, deux lits, si le lit est défait, pas défait. Je veux dire, c'est digne de l'Europe de l'Est d'avoir la chute du mur, ça. Bref, je vais arrêter de m'énerver et dire simplement qu'il y aurait moyen de rebâtir nos programmes sociaux, notre filet social, comme on l'a rêvé, comme on l'a construit pendant les Trente Glorieuses, et faire passer certains des principes du revenu minimum garanti dans le cadre du débat politique actuel. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que maintenant, on ne va pas tellement se comparer à l'Europe de l'Est, on va plutôt comparer l'Europe de l'Est à notre situation. c'est digne de la situation du Québec de 2017. C'est toujours aussi intéressant, Christian. Monsieur, allez-y. Oui. Juste vous demander, est-ce que vous êtes, ça vous gêne si vous êtes filmé? Non, d'accord. Je ne sais pas par où commencer. J'ai surtout écouté votre intervention sur le travail. Et je pense que c'est une première erreur qu'on fait de parler de travail au lieu de parler d'emploi. Et le revenu de base n'est pas là pour faire crouler le capitalisme. C'est pas son but. Et quand je pense au revenu de base, je pense à un revenu de 20 000 $ par année. Ce qui n'est même pas le niveau de pauvreté au Canada. Mais c'est énorme par rapport à ce qu'on parle couramment. Mais moi, je parle sérieusement de 20 000 $ par année. Et il y a des rapports d'économistes
qui nous montre que c'est, ça se finance tout seul, en seulement en réaménageant la fiscalité. Ça, je peux vous donner la référence si vous voulez. Alors, le premier problème avec la confusion entre le travail et l'emploi, c'est que l'emploi, il y a deux arguments contre le revenu de base. Il y a ça coûte trop cher, ce qui est totalement faux. Et l'autre argument, c'est la paresse. C'est le rapport des humains au travail ou à l'emploi, je dirais plutôt, est idéalisé. Et ça date de Marx, ça date toute la gauche. Leur premier argument, c'est de dévaloriser le travail. Les gens vont vivre au crochet de la société. Ce qui est totalement faux. Ils vont vivre des impôts qu'on collecte en leur nom et qu'on redistribue de façon équitable. Donc, c'est un droit civique, c'est un droit humain de recevoir de l'argent, d'avoir la sécurité financière. On trouve ça normal d'avoir la sécurité de la santé, d'avoir de la sécurité publique, la police pour nous protéger. Ce n'est pas toujours le cas, mais la santé ne nous donne pas toujours... Le système de santé n'est pas parfait non plus. Mais le but, on est d'accord. On voit la rupture de cette mentalité, quand on regarde juste, on traverse la frontière américaine, ils ont une mentalité complètement différente. Alors, moi, je me dis que le revenu de base, c'est la même chose que la santé. Et c'est un droit humain, et c'est un droit civil. Et ça devrait être adopté. Et je crois que l'argument que le capitalisme l'acceptera jamais, j'achète pas cet argument-là. Je crois que le capitalisme n'aura pas le choix. Parce qu'éventuellement, ils n'auront plus besoin de travailleurs, mais ils n'auront plus de consommateurs. Donc, dans un contexte comme ça, c'est ça qui va arriver. Pendant que les robots font tout le travail pour nous, tant mieux, mais qui va acheter les produits que fabriquent ces robots? Alors, face à cette problématique, je pense que le capitalisme, Milton Friedman a été le premier à y penser. C'est sûr que lui, il voulait démolir le filet social. Mais je pense qu'on n'a pas à être fier de notre filet social aujourd'hui. C'est le filet social, de par sa nature, stigmatise les gens qui reçoivent l'argent. Et c'est ça qu'il faut éliminer. Alors, en donnant un revenu de base à tout le monde, pas juste les pauvres, mais aussi les riches, qui vont rembourser ça avec leurs impôts, c'est normal, et c'est accepté dans la société. C'est pas une révolution, ça. Donc, moi, je pense que ça peut changer, ça peut transformer la société. Merci beaucoup. Et peut-être plutôt que de simplement de faire en sorte que Yannick réponde, je vais vous laisser un tour de parole. Mais ce qu'on vient d'entendre, c'est un des arguments type en défense donc de son revenu. Et personne ne remet en cause l'idée que cela pourrait être extraordinaire. Il y a juste différentes modalités d'appréciation d'un tel projet. Et puis ensuite, je pense que l'ensemble des participants et des participantes s'entendent pour dire que ce qu'il faut éviter, c'est justement ces mécanismes de stigmatisation. Toute la question est de savoir si, en fait, sous prétexte de vouloir éviter un mal, on se retrouverait dans un scénario où on a, soit pire encore, où on a d'autres mécanismes de stigmatisation. Par exemple, le fait que les personnes soient laissées à elles-mêmes. Ça aussi, c'est une question qui mérite au moins d'être posée. Donc peut-être commencer par Marie-Pierre, et puis ensuite un dernier tour de table pour pouvoir... Je vais quand même rebondir sur l'emploi. Moi, j'en suis arrivée à la compréhension que le revenu minimum garanti est fortement articulé à l'emploi, qu'il ne nous en libère pas nécessairement d'avoir structurellement pour des raisons de financement, mais ensuite parce qu'il lisse la transition il abolit ce qu'on appelle les trappes d'assistance ou les trappes de chômage, et donc au bas de l'échelle, il favorise le cumul des prestations avec les revenus d'emploi. Donc, et toute la question, c'est donc
quels emplois sont subventionnés par cette mesure-là de soutien du revenu. Et je trouve que c'est particulièrement pas simple de répondre à cette question. Est-ce que ça aide les emplois qui ont le bénévolat, l'investissement politique, communautaire, etc., l'investissement familial, ou ça subventionne les emplois de marde, ou ça, ça donne un levier pour à exercer sur les employeurs pour pouvoir lui le contraindre parce qu'on n'aura pas vraiment besoin de ce job-là parce qu'on a déjà un revenu garanti. Ça le contraindrait donc à nous offrir pour vrai des emplois de bonne qualité. À vrai dire, comme encore là, on a du pire puis du meilleur, c'est difficile de trancher sur les effets que ça aurait, mais je pense que ça a le mérite, d'une certaine manière, de relancer les discussions sur la place du travail dans la société. Et à cet égard-là, ben, juste sur cette question qui a été posée précédemment, historiquement, quand on est dans une période que moi, je juge assez favorable pour l'emploi en ce moment, on a des emplois de mauvaise qualité, là, mais bon, mais on a un taux de chômage tellement faible par rapport à... Tu sais, c'est pas arrivé depuis longtemps. Normalement, historiquement, c'est des périodes où on est plus confrontationnel et qu'on en profite pour se dire « Hey, si on rêvait d'un autre rapport au travail, et c'est peut-être... » Pas pour rien que tous les reportages sur les robots arrivent à ce moment-là, parce que là, au lieu d'être dans cette perspective où on va en profiter pour prendre à bras le corps les défis qui sont ceux de repenser le travail, surtout à la lumière de cette désastre écologique qui nous pend pas au bout du nez, là, qu'on met au-dessus de la tête assurément, et qui donc nous oblige à repenser aussi le travail, l'emploi, ben fuck, tu sais, c'est à ce moment-là qu'on nous dit, tu sais, ben non, mais là, les robots vont vous faire perdre tous vos jobs, fait que soyez pas trop optimistes, profitez-en pas pour repenser le travail. Est-ce que vous repensez votre travail? Il peut l'aille. je pense qu'on va juste ne pas, disons, faire une interaction de ce type-là. Ce que je peux vous dire, c'est que la question du travail, elle n'est pas pensée seulement dans le travail mécanique. En ce moment aussi, ce qui est, par exemple, les facultés de droit commencent à s'inquiéter sérieusement de la capacité de informatique à pouvoir être en mesure de pouvoir faire des analyses de contrats sans qu'il y ait pratiquement intervention humaine. Donc, c'est pas les travailleurs manuels qui en ce moment sont en train de se réfléchir le plus parce qu'ils ont déjà été remplacés. La crise vient d'un milieu qui se croyait à l'abri et pouvait demander des salaires démesurés, et essentiellement nos facultés de droit fournissent des juristes qui font du droit contractuel. Or, le problème, c'est que, en gros, c'est assez bête à faire. Je ne vais pas être méchant pour les juristes, mais il n'y a pas à plaider, il n'y a pas... En gros, c'est juste de regarder les paramètres puis de vérifier si les paramètres sont suffisamment logiques pour que je puisse prévoir quels seraient les endroits où il y aurait problème. Donc, en fait, c'est beaucoup de ce genre de professions, les professions notariales aussi, qui sont remises en cause. Alors, nous, par exemple, c'est des questions comme, par exemple, les cours en ligne, ce genre de choses. Bien sûr que tout ça est remis en question aussi. Toute la question, ensuite, c'est de savoir si, est-ce que malgré cela, malgré ce que, on entend bien vos commentaires, est-ce que malgré cela, il n'y a pas un péril dans la demeure par rapport à ce qui est proposé en option? Le but de l'atelier ce soir n'est pas de dire de manière définitive il faut lutter contre. Le but de l'atelier est au moins qu'il n'y ait pas cette unanimité et qu'il y ait une réflexion commune. Sur ce, je prends une dernière question et puis... Irène Doiron, professeure de philo à la retraite. Je ne sais pas si Jean-Marc Piotte pensait au petit matin du lendemain du grand soir. Ils sont contents. Je suis un peu perplexe. Ben, merci d'abord pour ces excellents exposés. Je suis un peu perplexe parce que j'ai l'impression que, ultimement, on revient à la question que posaient des personnes qui ont eu une certaine notoriété dans l'histoire, à savoir à chacun selon ses besoins, de chacun selon son travail. Et j'entends que le revenu minimum tel qu'il devrait être
ne peut pas se faire dans le système actuel, sinon on va se faire fourrer. Sinon, ça va être un moyen pour le faire perdurer. J'entends l'intervention du monsieur tout à l'heure qui dit « ce serait possible ». Ce serait possible, mais il y a les considérations écologiques après qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça que Mme Boucher, je pense, Marie-Claire Boucher, votre nom, sont très, très pertinentes, les questions et les conclusions auxquelles vous venez, parce que finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une société, comment chaque humain s'inscrit pour que sa dignité soit conservée. Et ça suppose de se poser les questions, pourquoi y a-t-il aujourd'hui des personnes qui sont dans les situations dans lesquelles ils sont et que Mme Bissonnette, vous côtoyez? Peut-être on peut commencer par... Oui, mais j'avais envie de réagir avant à ce que Marie-Claire a dit sur quels emplois sont subventionnés par un revenu minimum garanti. Il faut se demander présentement qu'est-ce qu'on subventionne comme entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on envoie énormément d'argent pour garder quelques emplois et souvent c'est... Ben, en tout cas, parlons de Bombardier, qui en même temps qu'on leur donnait de l'argent pour la C-Series, ils ont coupé l'aide sociale et ils ont coupé des jobs dans Bombardier. Je vais juste dire ça comme ça. Mais on les a subventionnés. Moi, j'ai tendance à dire que Bombardier nous appartient tous collectivement, fait que demain matin, on se retrouve avec plus de toit sur la tête, on pourrait aller dormir chez Bombardier, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'on sera les bienvenus. Non. C'est une petite blague, c'est mon petit côté anarchiste en moi qui ressort, désolée. là-dessus, j'ai comme... Je vais vous laisser embarquer, puis... Dès qu'il y a une question d'anarchie, tout ça... Parler d'anarchie, ça y est, c'est fini. Mais on peut clore la discussion. Non, peut-être, si vous avez des commentaires... Moi, je veux juste réagir un mot final pour ma part. Pour donner un peu d'espoir. C'est mon côté, je doute, tiens. Non, blague à part, je rebondis en fait sur l'intervention de monsieur et sur ma Pierre, un élément que tu as mentionné, c'est-à-dire cette réflexion sur le rapport au travail, le rapport entre le travail et l'emploi. Ce genre de discussion publique, politique, ou bien pragmatique et concrète que nous avons et que nous aurons, permet des discussions plus profondes parfois. Ça ne se rend pas dans l'arène publique, ça ne sera pas au téléjournal, ça ne sera pas dans les débats pendant les élections, mais collectivement, comme ce soir, ça nous permet de réfléchir à des trucs beaucoup plus fondamentaux. Je ferai un parallèle avec ce qui s'est passé il y a 5 ans. Hein, pendant la grève des étudiants, ça nous a permis, c'est là où j'ai connu mon ami Christian, ça nous a permis collectivement, Christian et moi, vous et moi, nous tous, beaucoup d'entre nous, à réfléchir à des trucs beaucoup plus fondamentaux que les droits de scolarité. En fait, je me souviens presque, je pense que j'ai parlé 3 fois publiquement des droits de scolarité pendant 6 mois pendant la grève. On parlait beaucoup plus du droit à l'éducation, c'est quoi être un étudiant, c'est pas être un client, c'est être un travailleur de l'apprentissage. Et c'est donc des notions très très fondamentales sur notre relation, notre vie collective, notre vie politique. Je pense que le côté très positif de la discussion sur le revenu minimum garanti présentement, c'est justement poser ces questions fondamentales-là sur le travail, sur la distinction entre ce que Braudel appelait la vie matérielle et la vie économique. Pourquoi la vie économique, celle qui est monétisée, celle qui passe par une transaction marchande, est-elle plus valorisée socialement que celle qui ne le fait pas? Pourquoi les tomates que je cultive dans mon potager n'ont pas de valeur économique alors que la tomate que j'achète à la fruiterie en a une? Ce genre de trucs super fondamentaux qui, je pense, sont très intéressants et permettent de dépasser justement la discussion à très court terme et de réfléchir à l'ensemble, par exemple à ce que Sylvia nous invite de faire, de l'ensemble de notre vie économique, sociale et politique. Ce faisant, cependant, on oublie parce que, et j'en suis premier coupable, parce que je suis fasciné par ces questions vraiment du travail, de la vie matérielle par rapport à la vie économique et tout ça, on oublie trop souvent un élément qui vient d'être mentionné, c'est les propriétaires du capital, c'est les propriétaires des entreprises, c'est les actionnaires, c'est leur rôle, c'est leur puissance énorme et de plus en plus grande, non pas économiquement, pas qu'économiquement, mais politiquement, qui est presque jamais vu dans l'histoire. À tout le moins, on revient à peu près à ce qu'on a connu au milieu du 19e siècle, alors qu'on avait eu une espèce d'équilibre pendant les 30 glorieuses. Et ça, on l'a évacué. On l'évacue de nos discussions un peu philosophiques sur le travail, sur la contribution à la société, qui sont fondamentales. Mais il ne faut pas oublier l'autre bout du bâton.
Puis il y a une paire de bras qui est assez solide au bout du bâton. Et ce sont justement les propriétaires de ces capitaux-là, les actionnaires, le système financier qui l'appuie et nous-mêmes qui nous nourrissons par nos fonds de retraite, par exemple. Et je pense que c'est l'invitation que je fais, c'est en réfléchissant à un truc qui peut paraître bien technique, bien pragmatique, qui va être l'objet de débats politiques, à aller à plus en profondeur dans une réflexion sur notre vie économique. Ferme le mot de fin. Non. Moi, j'en ai un petit. D'accord, vas-y. Donc, je vais aborder comme Yannick, dans le fond, c'est que dans un moment où ce que dans notre système dans lequel on vit, on voit que tout est en train d'être détruit, dans le fond, notre État-providence est en train d'être anéanti. Moi, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans qu'on se dit que l'État-providence, on a besoin de se le payer, etc., puis qu'on se bat pour ne pas perdre les acquis que les gens avaient gagnés. Les gens ont déjà rêvé à une société plus juste, plus égalitaire dans ces années-là, tant qu'ils ont revendiqué. Puis présentement, on se bat pour ne pas perdre ces acquis-là. Chose que quand les gens les ont revendiqués, c'était pas exactement ça qu'ils voulaient. Le système pour lequel on se bat pour ne pas perdre, c'était pas parfait. Est-ce qu'on peut rêver à quelque chose d'autre puis le revendiquer? Moi, on est en train de réfléchir avec une gang de monter un forum alternatif sur le revenu minimum garanti, justement pour réfléchir à qu'est-ce qu'on propose. Si c'est pas ça qu'on veut, le revenu minimum garanti, les libéraux, on propose quoi d'autre, dans le fond, pour contre-attaquer possiblement pendant les élections et quand le rapport de notre comité d'experts avec trois économistes qui vont seulement regarder la colonne des chiffres des dépenses et qui vont surtout pas regarder le revenu, qu'est-ce qu'on va proposer d'autre et arrêter d'être en réaction contre, mais être pour un projet. Donc, je vous invite à venir rêver avec nous. Alors, écoutez, je voulais conclure par ces quelques mots. D'abord, en remerciant la librairie Olivieri qui nous accueille, toujours de manière aussi généreuse, exceptionnelle. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a maintenant peu d'endroits qui vont accepter de risquer à faire ce genre de choses. N'allez pas croire qu'à chaque fois que la librairie ouvre ses portes, tout à coup, elle fait des records de vente. En réalité, c'est vraiment un geste d'hospitalité, mais aussi un geste de conscience sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. De la même manière, je dirais que grâce à Olivieri, mais surtout grâce à vous tous, grâce à vous toutes, l'université sort de l'université. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de raison d'être à l'université si elle n'arrive pas à faire ce genre de non seulement de transfert, mais de communication. C'est pas comme si l'université venait vous voir et disait « on va vous apprendre des choses ». En fait, moi, j'ai appris énormément de choses, non seulement de l'ensemble des panélistes, mais des questions de la part du public. Et je dirais qu'au final, et peut-être que vous allez trouver que mes jeux de mots sont un peu mauvais, mais au final, ce que ça fait en sorte, c'est que nous avons, sinon un revenu minimum garanti, mais des savoirs minimaux garantis. Et puis je dirais même, ce genre d'exercice permet d'avoir une démocratie minimale garantie. Et je pense qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir prendre, disons, possession de ces vrais enjeux sans savoir et sans débat démocratique sur les questions. Et pour cela, je vous remercie non seulement les participants, mais vous tous et toutes ici ce soir. Très bonne soirée.